Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canature.com. Nous allons évoquer le programme de ce samedi 18 janvier. Quintet de bonne facture avec le prix de Brest, une épreuve de groupe 3. Jean-Michel Bazire attaque en force dans cette course avec pas moins de 5 de ses pensionnaires au départ. Et une nouvelle fois, il semble en mesure de se distinguer dans un quintet. Il pourra compter sur son champion, le 16 Klingem. On ne le présente plus. C'est un cheval de tout premier plan, sans doute l'un des meilleurs trotteurs d'âge actuellement en exercice dans l'Hexagone, et notamment en Europe, pourquoi pas. Le cheval est un cheval confirmé dans les quintets. Il s'y est produit à 19 reprises, résultat 16 victoires. Lors de ses 28 derniers parcours, il a enregistré 27 podiums, dont 23 succès. Un score qui pourrait être parfait s'il n'avait été disqualifié dans le prix d'été alors qu'il avait la course à sa merci. Ici, dans ce lot, malgré son rendement de distance, il doit rendre 50 mètres. Il devrait une nouvelle fois faire étalage de sa classe et s'imposer, comme il avait en rendant notamment 50 mètres à Nantes ou encore dans la finale du GNT. On lui posera le numéro 7, Dream Breaker, son compagnon d'entraînement, qui au premier poteau est présenté pieds nus, semble en mesure de compléter le couplet gagnant de cette course. Attention également au 13, Anzi Delehar, au 15, Blé du Gers et au 14, Balbir, respectivement affichés 5e, 6e et 4e du prix Jean Dumouche le mois dernier, apanage de Klingem. Cette fois-ci, il le retrouve avec un avantage initial, mais à mon avis, vu la qualité de Klingem, il s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger. 16, 7, 13, 15 et 14. Pour les places, attention au 10 Cali Loulou, qui a été fortement gênée dernièrement dans le prix de Lille en début de mois le 5 janvier, alors qu'elle possédait des ressources, il faut la reprendre. Elle terminait ce jour-là, donc elle était battue par Dream Breaker, mais à mon avis, elle aurait pu l'accompagner sans cette mésaventure. Le 8 Nancy America a également participé au prix de Lille en s'y comportant bien, elle a des références à faire valoir à ce niveau. Et le numéro 9, Bebop au Fort, qui reste sur 3 places deuxième consécutive. Confirmé à ce niveau, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Résumé chiffré, 16, 7, 13, 15, 14, 10, 8 et 9. En cas de ne partant, je citerai le 11, direct ouais. Suite du programme, dans la première, belle épreuve, le 114 Grâce de Faël s'annonce redoutable. Elle qui vient de se classer deuxième du prix de Vincennes trouve une belle occasion ici de reprendre le cours de ses succès. On lui posera toutefois le 13 Gladys Desplaines, troisième de ce même prix de Vincennes. Elle possède en une 13-4 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours et sera déférée des quatre pieds pour la première fois. 14 et 13, deux choix prioritaires pour les multi et au trio. Pourquoi pas envisager le 11, Gigi de Vaudival, quatrième du prix de Vincennes. Le 12 également, c'est Gloria Berry, qui va débuter autrement avec des prétentions, ou encore le 5 Galois qui monte de catégorie, mais elle est délicate, mais elle est tenue en estime dans l'écurie Bazire. 14-13 confirmé à ce niveau, l'opposition 11, 12 et 5. Concernant Bruno Angot, sachez qu'il est confiant que le 414 Boston Terry, le cheval avait gagné sur ce tracé début décembre. Il a confirmé depuis en se classant 3e dans un bon lot. À mon avis, dans ce lot, c'est une première chance, tout comme le numéro 2, Belle Bauloise, qui a signé deux succès lors de ses trois dernières sorties sous la selle et qui sera ici pieds nus. 414-402. On passe à la sixième avec le 607 Calou Renardière, c'est un objectif. Le cheval est déféré des quatre pieds contrairement à ses deux dernières sorties. Il possède en une 12-7 le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. Bref, ici, c'est un choix prioritaire. On lui associera le 11 Dostoevsky et le 12 Dark Knight Love, deux pensionnaires de Jean-Michel Bazire qui seront pieds nus. Attention également au numéro 1, Dexter Château, le 601 Dexter Château qui, lors de ses 9 sorties déférées des 4 pieds, a signé 7 podiums, dont 5 victoires. Bref, des stats impressionnantes et séduisantes lorsqu'il est pieds nus. Sachez qu'il reste sur une victoire sur ce tracé dans un quintet le 25 décembre. Dans la 7e, nous avons des éléments d'avenir au départ de cette course, notamment les deux Garato, le 4 Aubryon qu'il convient de racheter et le 7 Hugo Speed, lui aussi tenu en estime par Sébastien Garato. Le cheval compte 4 courses pour autant de podiums. L'opposition pour eux, le 9 Odak Vedaker, vaincu en 3 courses courues. Il vient de devancer Hugo Speed, mais je pense que la revanche est possible sur cette performance du 9 décembre. Donc le 707, le 704 et le 709. Concernant la 8e, attention au 810, c'est Ella de Candos, irréprochable lorsqu'elle s'est produite sous la selle. Elle a couru 5 fois montée, une fois gênée, 2 victoires et 2 places de deuxième. Elle possède une 13-6, également le meilleur chrono du peloton sur ce parcours des 2850 mètres petite piste. On lui associera le 11, Ex Gracia, qui reste sur un succès début janvier, où elle devançait 4 de ses rivales du jour. 810, 811, on résume tout ça rapidement pour Vincennes. La première, 14 et 13, suivie dans l'ordre du programme du 5, du 11 et du 12. 402, 414 dans le programme. La 6e, le 607, suivie du 11, du 12 et du 1. La 7e, 4, 7 et 9. La 8e, 10 et 11.
Concernant Cagnes en Réunion 3, dans le prix Joseph Collignon, j'aime beaucoup le 201 Pazzefredo qui a remporté le prix de la Hante, une liste disputée fin novembre à Borély. Pour ses débuts sur le sable, il me semble en mesure de jouer la victoire avec le numéro 8 Mariana Foot qui a bien gagné à Vivo. C'était fin novembre sur le sable, donc pas de problème de surface la concernant. Elle peut le monter de catégorie avec bonheur. Attention également dans la 8e au 805, Chillwind qui retrouve l'anneau cannois qui lui convient à merveille, le cheval à 9 ans. Mais il est surtout bien placé au poids. N'oubliez pas, il est en 34 de valeur. N'oubliez pas qu'il avait remporté un quintet par le passé en 35 de valeur. Et c'était même classé deuxième dans la foulée d'un autre quintet alors qu'il était en 39,5. Bref, ici, pour son retour sur une piste à son entière convenance, ce 805 Chillwind mérite crédit. Il est bien placé au poids. Il a été réservé pour ce meeting azuréen. Et à mon avis, il faut le suivre tout au long du meeting. C'est le 805 Chillwind. Concernant Bordeaux Réunion 2, dans l'épreuve d'ouverture, j'ai pu m'entretenir avec Damien Lézis. Il présente le 104 Élise de l'Ésope. Elle vient de faire une course de rentrée au trot attelé. Elle est beaucoup plus performante entre montées. Ici, c'est une course sous la selle. L'entraîneur est assez confiant. En tout cas, elle devrait bien courir. Sa jeune partenaire la connaît pour l'avoir déjà menée à la victoire. Et dans ce lot, ce 104 Élise de l'Ésope, à mon avis, mérite crédit, d'autant qu'elle sera pieds nus. Voilà pour les infos de ce samedi 18 janvier. Bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour un nouveau programme.